Bonjour Yuan, et quels ont été les moments forts de ces visites et qu'est-ce que cela signifie pour les relations bilatérales? Bonjour Suzanne. Le Conseil d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a reçu un accueil exceptionnel. Il a rencontré respectivement le président d'Afrique du Sud, Mme Ella Cyril Ramaphosa, le président français Emmanuel Macron, ainsi que le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer. En Afrique du Sud, Wang Yi a souligné que le gouvernement chinois encourageait les entreprises chinoises à investir en Afrique du Sud et à soutenir sa réindustrialisation. Le chef de la diplomatie chinoise a réaffirmé que la Chine importerait plus de produits agricoles et industriels issus de l'Afrique du Sud. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et du Forum sur la coopération sino-africaine, les deux pays du groupe BRICS resserrent sans cesse leurs relations. Le partenariat entre la Chine et l'Afrique du Sud est un bon exemple des relations sino-africaines. Et en Europe, l'agenda du ministre chinois a été vraiment chargé. Outre sa rencontre avec le président français, Wang Yi s'est aussi entretenu avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, et co-présidé avec lui le 5e dialogue de haut niveau sur les échanges humains Chine-France. Il a aussi assisté à la cérémonie de lancement du tournage du documentaire coproduit Versailles et la Chine. En Suisse, Wang Yi a participé au deuxième dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères sino-suisses. Ce mécanisme des échanges a été établi en avril 2018 et l'année suivante, la Suisse est devenue le troisième pays européen à signer l'initiative Ceinture et Route. Donc, on attend beaucoup de résultats du dialogue de cette année. Et comment ce dialogue de haut niveau sur les échanges humains Chine-France contribue-t-il aux relations sino-françaises? Alors aujourd'hui, entre la Chine et la France, il existe plusieurs plateformes pour faciliter les échanges. Le dialogue stratégique, le dialogue économique et financier de haut niveau, le dialogue de haut niveau sur les échanges humains, ainsi que le dialogue franco-chinois en matière de droit et de justice qui vient d'être mis en place en 2019. Ce sont les quatre piliers des relations sino-françaises. Le dialogue de haut niveau sur les échanges humains Chine-France a débuté en 2014 à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Ces dernières années, les deux gouvernements ont signé une série d'accords pour promouvoir et approfondir les échanges humains et culturels. Beaucoup de projets ont été mis en place, ainsi que les mécanismes et les plateformes. Ces échanges et coopérations ont renforcé la compréhension mutuelle et la communication entre les deux peuples, notamment dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. D'ailleurs, dans quelques jours, le président français Emmanuel Macron va effectuer une visite en Chine et il participera à la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine. En janvier 2018, le président Macron a visité pour la première fois la Chine et il a promis de revenir tous les ans. Et voilà, en novembre prochain, il va honorer cette promesse. Nous suivrons de près sa visite en Chine et nous apporterons des dernières informations. Voilà, c'est ça. Et merci Royan pour tous ces détails. On n'a plus qu'à s'attendre à des coopérations élargies et enrichies.